Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va, tranquillou, normalou. Donc, vive le sport, vive la santé et vive le sport, c'est tout. Il n'y a que ça de vrai. 5 conseils pour aimer le sport, s'y tenir. Donc, première étape, se bouger. Une vraie bonne raison. Donc, déjà, si vous avez un pressentiment que vous avez envie de faire du sport et d'avoir de l'ambition, avoir un objectif, c'est que vous allez rester focalisé, vous allez rester sur votre chemin de sport. Déjà, c'est la première étape, je vous sollicite à 1000%. Donc, il faut avoir la motivation, il faut avoir un objectif et vous allez voir qu'il faut compter que sur soi-même. Pas sur les voisins, ni sur ça. Si vous avez des amis qui sont motivés, c'est une source de motivation, une source de vitamines et pulvériser votre séance en la carnant avec des amis qui vous soutiennent, qui vous donnent de la motivation. C'est ce qui compte. Donc, c'est bon pour le cerveau. Accepterait de sacrifier des heures de torture et de souffrance. La torture et la souffrance, c'est la souffrance qui paye et c'est la torture qui paye. Et c'est des heures qu'on se sacrifie pour avoir un objectif à atteindre. Donc, mesdames et messieurs, il faut foncer droit au but. Comme ils disent les Marseillais, droit au but, pétingue. Allez, vas-y. Il faut foncer avec la rancœur. Deuxième étape. Trouver son sport. Celui qui vous permettra de sentir de toi-même et de découvrir cet amour de l'effort. Il faut, comme moi j'aime bien la musculation. Ben, je donne tout mon amour dans la musculation. L'amour de l'effort. C'est ce qui compte, c'est ce qui... Il faut avoir ça, avec la motivation, la force mentale. Il faut choisir son sport que vous aimez. La musculation, la natation, le rugby, la marche, le vélo, la planche à voile, le kayak. C'est vous qui voyez. Donc, il faut que vous sentez... Première des choses, il faut que vous sentez à l'aise dans un sport. C'est comme quand vous portez des sous-vêtements, vous portez, quand vous êtes invité chez quelqu'un, il faut que vous sentez à l'aise. Le sport, il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit la première classe mondiale de vous-même. Donc, vous donnez de la rancœur. Troisième étape, anticiper et faire un planning. Donc, anticiper. Ça veut dire si vous avez préoccupation à faire, si vous travaillez de tournée ou de normal ou de nuit ou de week-end, il faut vraiment planifier votre quand vous allez au sport, quand vous sortez du travail, c'est vraiment première des choses. Il faut toujours laisser le sac préparé devant la porte d'entrée. Pourquoi? Ça va plus vous motiver. Ou vous portez avec vous dans la voiture ou de je ne sais pas où, dans le bureau, je ne sais pas où après, dans les vestiaires. Donc, il faut avoir son planning personnel. C'est ce qui compte, c'est une source de motivation. Quatrième étape, écouter des contenus motivants. Donc, de la musique de motivation, comme de la techno, Donc, ce qui est important, vous écoutez dans les oreilles. C'est pas écouter du rap, du rail ou du Johnny Hallyday ou du rock, ça va vous endormir. Donc, écoutez de la musique qui bouge, de la trance. Donc, cinquième étape, adapter ses séances selon son mode de vie. Ce qui est important aussi. Si vous êtes parent, si vous avez d'autres occupations,
Il faut gérer aussi entre la vie de famille et le mode de vie de vous-même avec le sport. Normalement, on y arrive. Normalement, ça faut que ça soit 50-50 pour réussir sa motivation et réussir son statut de la rancœur de soi-même. C'est ce qui est important, qui va compter aussi pour la suite de votre rancœur et de votre dignité et de la force, et de la force mentale, et de la force physique et de la force motivation. C'est ce qui va vous permettre de gérer ce mode de vie, l'hygiène de vie par rapport à tout. Donc, soyez cultivé, conscient, honneur, rancœur et force, dignité, ça va réussir. Écoutez pas les imbéciles, écoutez le professionnalisme de Batman Fitness, de la rancœur, de la vérité, de chez de la vérité. Donc, croyez en vous, croyez à vos chances. Et droit au but, comme ils disent, les Marseillais, droit au but, boum. Donc, on n'a rien sans rien, la souffrance qui paye et la torture qui paye. Et ça se paye avec de la rancœur, avec de la motivation. Big chest, big cul, big car. Allez, t'es souffrais ça.